Salut les barbares, ici Sergent Fatih, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler en fait d'une petite GDC qui a eu lieu il y a quelques jours. C'était Warzone 68 contre Villa Locura, un clan espagnol en cours de reconstruction avec d'anciens joueurs de clans hispaniques du TWC. C'était pas aussi effrayant qu'on s'y attendait. On a gagné et c'était ça le plus important. Allez, sans plus tarder, on va attaquer les gameplays. J'en ai choisi 6 pour vous aujourd'hui et on commence tout de suite avec un Tristar d'un TH11 sur un autre TH11. Alors donc là, vous avez une petite vision du score, 71 à 62. Oui, c'était une victoire écrasante. Allez, Nicolas, notre TH11, qui s'attaque à ce village avec une compo assez en vogue maintenant, le fameux Go Beach, c'est-à-dire un golem avec un golem en fait qui va faire une percée pour faire entrer, en fait, vous voyez, tout un groupe de boulistes qui eux-mêmes sont en train de tanker les héros et toute une tripotée de sorcières. Le but, ce n'est pas que tout le monde aille dans le village, il faut que ça tourne un tout petit peu comme ce que vous voyez maintenant. C'est-à-dire que sur le côté, vous avez des boulistes qui tankent des sassas qui, pendant que les troupes qui sont au milieu rasent tout ce qu'il y a, eux vont faire le clean sur le côté. Donc vous voyez, c'est une compo qui a l'air assez bourrin, mais qui ne l'est pas du tout. Il y a beaucoup de préparation justement pour que le trajet soit bien préparé. Là par exemple, il y a 3 sauts pour vraiment aller vite, droit au but, tuer les héros, etc. Et là, regardez, on n'a plus que des bâtiments non défensifs. Très très belle attaque, magnifique exécution de la part de Nicolas. Bravo à toi pour ce Tristar. Alors, après cette attaque, on va regarder X-Drive, qui est donc un de nos TH10, sur un autre TH10, et X-Drive va y aller avec une compo qui commence avec un AQH. Ce sera une compo aérienne. Donc là, le but de la reine, très clairement, ça va être d'aller chercher, vous voyez l'anti-aérienne qu'il y a à 9h. Voilà, l'anti-aérienne. Et bien entendu, le CDC. Un petit sorcier pour aider à cleaner le, j'allais dire, l'hôtel de ville. Et la reine a pu donc prendre son petit chemin, raser une Tesla. Là maintenant, elle s'attaque au canon. On va voir comment X-Drive va la pousser vers l'anti-aérienne. Voilà, celle de 9h, bien entendu, elle est déjà rasée. Maintenant, elle va chercher une deuxième anti-aérienne. C'est fait. Avec un petit servi sur l'extracteur d'élixir pour qu'elle ne se disperse pas. Voilà, la deuxième anti-aérienne est rasée. La reine continue son chemin, elle est avec ses guerriers qui sont ragés maintenant. Et maintenant que la TDA vient de tomber, X-Drive a pu lancer ses casse-briques qui ne vont pas fail du coup et qui vont ouvrir une brèche à la reine qui va pouvoir entrer un peu plus en profondeur dans le village. Et maintenant, elle va bientôt attraper la reine adverse. Pendant ce temps-là, vous voyez, des servis commencent déjà le nettoyage. Un deuxième rage sur la reine et ses guérisseuses pour qu'elle puisse raser tranquillement la reine adverse et avancer malgré l'arc X. Là, elle va chercher encore d'autres bâtiments défensifs. Le roi, pendant ce temps-là, avec un saut et un rage, va provoquer le CDC adverse en rasant sur son chemin une TDE. Ça, c'est juste magnifique. Le Lavaloon qui est lancé sur la troisième anti-aérienne avec deux lavas qui avance ensuite en tankant les ballons sur la dernière anti-aérienne. Alors rien que la P1 avec la reine et le roi,
ça a fait environ pratiquement 50% du village. Et là, c'est juste du beurre. Il reste une masse de troupes impressionnante. La reine de X-Drive est encore en pleine forme grâce aux guérisseuses. Et là, tout le monde se donne rendez-vous sur le CDC, qui sera le point d'orgue pour ce Tristar. Et voilà. Bravo à toi, X-Drive. Tout de suite après, j'ai choisi de vous montrer cette attaque de FWK avec une jolie petite compo bien sympathique, un petit Gohog avec trois Loons qui vont avoir leur rôle à jouer. Alors, il commence tout de suite avec des sorciers pour cleaner sur le flanc nord les bâtiments non défensifs. Il y a ensuite trois golems qui sont déployés entre 9h et midi. Un sceau qui va les pousser. Donc les golems ont tanké des sorciers qui ont fait le clean des bâtiments. Comme ça, le commando avec les héros et les boulistes vont pouvoir entrer dans le village sans tourner. Voilà, tout le monde est au milieu. On a une Arc-X qui tombe, le CDC qui sort et qui va être pulvérisé grâce au deuxième saut, le soin sur le reste des boulistes. Voilà. La reine de FWK est encore en forme. Le roi adverse est en train de tomber. Des Loons qui s'occupent de raser quelques canons qui ne sont pas en fait dans les rayons. En fait, bah, il n'y a plus d'anti-aérienne de toute façon. Voilà. Les Hogs, pendant ce temps-là, continuent leur bonhomme de chemin. Il n'y a plus grand-chose en fait comme bâtiment de défense, hein. En haut, il y avait une petite Tesla. Et voilà. Hop, hop, hop. Dernier petite réserve. Tristar, bravo à toi FWK. Très belle attaque. Allez, tout de suite, une attaque de sushi qui va nous sortir un Gohog des familles. Une compo très classique sur ce village-là. Avec tout de suite un sorcier, un archer dans les coins pour s'occuper des cabanes, des labos, etc. Golem sur le flanc entre 3h et 6h. Regardez le champ de Tesla qu'il y a. Quatre Tesla alignés les unes à côté des autres, qui sont en train donc de focus les golems. C'est pour ça que les casse-briques réussissent à se frayer un petit chemin. Les sorciers ont fait un bon boulot de clean, donc le commando avec le roi et le CDC bouliste entre sans problème dans le village, s'attaque à la reine adverse, avec le sceau entre encore plus profondément. Le soin leur redonne un peu de peps. Le deuxième saut leur permet d'aller encore plus en profondeur. Regardez-moi ça. On est déjà à 50% de destruction quand la partie Hogs est lancée. Là, vous voyez un petit géant qui est lancé pour que le mortier le focus. Et pendant ce temps-là, les Hogs ont pu le travailler jusqu'à le raser. Et voilà. Là, il reste plus que du clean. L'attaque s'est déroulée sans encombre. Très joli déploiement. Très belle analyse. Bravo à toi, Sushi. Alors, après Sushi, je vais vous montrer cette compo de Howard. Alors, ça va être une compo aérienne. Bébé drague pour funneler la QH. Ça, c'est l'expression de crime de Imperium M que j'ai retenu. Donc voilà, la reine avec les guéris
pour l'instant, elle s'en sort pas trop mal, elle souffre un tout petit peu, mais ça devrait aller. Voilà, grâce au rage. Grâce au clean, les casse-briques créent une jolie brèche. Le roi avec le CDC bouliste entre dans le village, va chercher le CDC adverse qui est empoisonné. La reine pendant ce temps-là continue, elle fait un tout petit tour du stade. Mais pendant ce temps-là, on a déjà deux anti-aériennes qui sont tombées. Et voilà, les molosses. Le molosse, regardez d'où il part en fait. Voilà, il part d'aussi loin pour pouvoir tanker les loons qui sont lancés sur la TDS qui est tout au nord à midi. Et regardez le chemin carrément en L que le molosse va faire jusqu'à chercher donc la dernière anti-aérienne avec les loons qui sont déployés mais d'une façon vraiment chirurgicale. C'est très joli. En fait, il n'y avait qu'un seul lavage, j'ai l'impression. Non, il y en avait bien deux, puisque je vois des roquets. Hop, voilà. C'est carrément un U que toute la partie aérienne va faire. Avec un magnifique looning. Et là, il n'y a plus grand-chose, sauf voilà, l'hôtel de ville, la petite réserve. C'est fini, c'est un Tristar. Bravo Howard. Allez, après Howard, une attaque de Pepito qui n'a pas pu s'empêcher de faire son show, bien entendu. Une petite compo très intéressante. Alors, un dragon à 9h qui tank mortier TDS. Pour la reine, le roi qui vient pour renforcer le cleaning. La reine maintenant s'attaque à une première anti-aérienne. Pardon. Le roi se dirige vers le saut. Les boulistes, pareil. Le rage va leur donner du peps. Une deuxième anti-aérienne est tombée. Voilà, la reine avec le golem qui la tanque a pris une troisième anti-aérienne. Les boulistes avec le roi de l'autre côté ont pris la quatrième anti-aérienne. Et là, maintenant, les dragons arrivent. Il y en a deux qui ont été déployés donc complètement à 3 heures sur le village pour commencer à dégager l'hôtel de ville et les bâtiments non défensifs. Le reste des dragons on fait donc tout le chemin du côté opposé au héros pour avoir le temps donc de nettoyer la ligne de bâtiments de défense avec TDS, etc. Et les rages qui vont leur permettre vraiment d'être encore plus, de monter en puissance et de finir donc de raser le village complètement tranquillement. Hop, voilà, dernier extracteur, qu'est-ce qui reste? Une petite Tesla cachée au coin, et voilà, bravo Pepito. Alors, j'aimerais vous parler maintenant en fait d'une petite chaîne d'un de mes collègues, qui est aussi un membre en fait de Warzone, c'est Anto, Clash of Clans sur YouTube. Donc la dernière attaque que je viens de vous commenter, la petite attaque dragon de Pepito, elle est aussi sur la chaîne de Anto, il la commande d'une façon différente. Pardon, décidément. Et je vous invite vivement à aller visiter sa chaîne, où vous allez pouvoir trouver
quelques gameplays donc de Warzone, mais aussi d'autres clans, toujours avec des compos très intéressantes, des attaques assez audacieuses. Kanto vous commente donc avec grand plaisir et une passion non dissimulée. Donc voilà. Quant à nous, on se retrouve bientôt. J'ai dans ma pochette déjà une autre récap à partager avec vous. Et surtout, on se retrouve très très vite pour la finale du tournoi FFF Interclan qui va nous opposer à Marklore. Donc voilà, allez, enjoy!